Ce samedi 18 juin restera à jamais tristement gravé dans les mémoires des proches et surtout des deux petits-enfants de la jeune Orlan Maeva. Elle vient d'être brutalement arrachée à la vie par son propre époux. La scène se passe aux premières heures de ce samedi, au quartier Domga Bloc 6, à Banka, par Bafan. Nous sommes dans le département du Onkam, dans la région de l'ouest du pays. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'étais en train de passer pour aller payer le pain de l'enfant. Subitement, j'ai entendu les coups. Je suis venu pousser la porte. Quand le gars m'a vu pousser la porte, il s'est subitement levé sur ma copine. Parce qu'il était couché sur lui, en train de le taper. Il s'est subitement levé, il a fui. Le sang éparpillé à divers endroits du mur de la chambre et celui recueilli dans ce papier plastique révèle à suffisance la barbarie avec laquelle elle a été rouée de coups et surtout la souffrance qu'elle a dû endurer avant de pousser son dernier soupir. La consternation est générale. Les populations sont sans voix et ses proches inconsolables. Les premières personnes à courir ont tenté en vain de lui porter secours. Je suis maintenant entrée. J'ai vu ma copine coucher sur le lit avec le sang. Là où je crie maintenant au secours, au secours. Maintenant, on l'a emporté, on l'a déposé là-bas. J'étais en train de m'agiter pour chercher le taxi. Je n'ai pas pu directement. C'est subitement là, elle rend l'âme. Je dis comme bon, il faut qu'on appelle la police. Personne ne bouge avant que je sois quitté. Aller chercher les officiers, nous sommes venus. La police arrivée sur le lieu de ce féminicide a commencé la collecte des premiers éléments qui devraient clarifier les raisons de ce meurtre. Le présumé meurtrier serait un homme de nature violente s'il faut s'en tenir au témoignage de cette autre voisine. Selon elle, la victime revenait ce matin même de l'hôpital où elle a passé 3 jours après une bastonnade que lui avait infligée son mari. Comme pour dire qu'il a tenu à achever sa macabre volonté entamée quelques jours plus tôt. De quoi reprochait-il sa femme? Quels sont les réels mobiles de ce meurtre? Seule l'enquête ouverte par les éléments de la police permettra de répondre à ces questions et éventuellement de rattraper le présumé meurtrier. En attendant, il est grand temps que les violences faites sur les femmes prennent fin alors que les dites violences se multiplient dans la société.